Ah, j'hésite entre lui et Tekken. Tekken 7. J'ai Tekken 7. Il est même plate. Attends. C'est-à-dire que je peux emmener Laura avec moi? Bah oui, je vais l'emmener avec moi. D'accord. D'accord. Bon bah jusque-là c'est bon. Pourquoi on laisserait Laura ou Salomé à côté? Bah, j'ai vu surtout aussi un peu la bêta de Soul Calibur 6. C'est comment il s'appelle? Aka qui faisait. Un carreau, hein, un carreau neuf. Re! Ah bah, donc je disais, je répondais à ta question justement, Alco. J'ai Tekken 7, je l'ai platiné. Enfin, trop, on va mettre 2 ans pour trouver le chemin pour y aller. S'il veut pas m'agresser, moi j'ai pas rien. Tekken 7? Ouais, ça va. Ouais. Enfin, il se laisse jouer. Hein. Et j'ai pas le DLC avec le prince Noctis. Hein. Oui, il y a un DLC avec Noctis. Avec le prince et Clodo. C'est un combattant et il participe au King of Iron Fist Tournament 7. Mais surtout que Tekken 7 s'y remet en... à point d'honneur sur l'histoire de Tekken avant Tekken 1, donc... Ah, principalement ça. Je suis un peu under level moi là. Ça sent pas bon ça. Ah non, pas tellement. Bon. M'attendais à être under level et en fait pas tellement. Merci Nightbot. On te demande pas ton avis sur la question. Looks like I'm on dinner duty. Think you can keep up, Laura? This is becoming a thing. I'm something of an expert. Spoiling for a fight. Happy to oblige. Keep up the pressure. Bah après si j'ai 5 minutes ouais
Attends, il est quelle heure? 18h. Hein. Il y a peut-être moyen que. Ouais. Bah, faites-moi penser qu'on arrive à quasiment une demi-heure, donc c'est-à-dire dans une vingtaine de minutes maintenant. Enfin. Vous m'y ferez penser la prochaine fois que je sauvegarde que j'allume la PS4 et que je mette Tekken 7 pour le montrer. Mais j'ai pas la notice, hein. Je préviens. En même temps, Hugo, c'est un peu les tanks. Allez, de vous, Bridget. Fais pas la victime. Il y a un Zozio qui est passé. J'ai cru qu'il allait me taper dessus. Mais non. Faut attendre parce que... Attends un peu que... Il y a une version... J'allais dire free to play, non. Une version de luxe qui va sortir prochainement de Tekken 7. J'aime toujours autant Bridget. Pourtant, je l'ai pas comme. Comme personnage. Je me demande si elle est toujours aussi craquée. D'accord, toujours pas. Ouais, tu me fais rêver. D'accord, toi, contrôle de l'eau. Oh, il a une contrôle de l'eau. Je sais plus. Je sais plus. Ouais. Je vois ça là. Mais là c'est Twitch. C'est pas Mako. Mako elle est ouverte. Mako est ouvert.
Ouais. Ça dure pas longtemps, hein. Alors dites-moi ce que vous avez pu trouver, ce fameux titan inhabité. Oui, nous avons pu le trouver sans encombre. La carte, la balade du barde, la légende du vieillard, tout était vrai. J'aurais préféré que tu m'éveilles avant de vivre toutes ces aventures. Moi aussi, mais à l'époque, j'étais loin de vous douter que j'étais capable de devenir le pilote d'un Aegis. Je me doutais encore moins que j'aurais un jour une lame aussi avide d'aventure. C'est toujours mieux que de s'ennuyer, non? Bah... C'est sûr que quand on a découvert ce titan, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Les locaux n'étaient pas vraiment ravis de nous voir arriver chez eux. Les locaux, vous disiez que ce titan était inhabité? Pour être précis, il n'était habité par aucun être humain. Par contre, il grouillait d'arachnis, de fourmix et de styx. Super. C'était aussi de très gros spécimens. Ils devaient nous voir comme des proies extrêmement appétissantes. Maintenant que j'y pense, nous avons quand même eu de la chance de nous en être tirés sains et saufs. Tout est bien qui finit bien. Cependant, vous n'avez donc pas pu réaliser votre rêve d'y bâtir une résidence secondaire. Quel dommage. Oui, enfin, ce n'était pas mon but premier. Je n'ai peut-être rien gagné sur le plan matériel, mais j'en ai tiré une grande expérience. Malheureusement, je ne peux pas en dire autant pour les habitants de ce titan. Comment ça? L'endroit est un paradis pour les insectes, mais j'ai appris plus tard qu'ils avaient tout été exterminés. Les humains sont parfois bien cruels. Ce qui est fait, le monde est en guerre, il fallait trouver un endroit où loger les réfugiés. Mais les bêtes sauvages ne pouvaient pas comprendre ça, elles n'y ont vu qu'une invasion de leur territoire. Ah, entendre cela me fend le cœur. Votre Majesté, pardonnez mon interruption, mais nous arrivons à destination. Ah, déjà? Grâce au récit d'Adam, je n'ai pas du tout vu le temps passer. Je suis honorée d'avoir pu chasser de votre esprit ne serait-ce qu'un instant les soucis liés à votre rang. Je vous prie, cher Adam, mon rang n'est pas supérieur au vôtre, vous le savez fort bien. Hugo, mon vieil ami, je n'en suis pas si sûre. Mais dis-moi, Mitra, j'aimerais savoir ce que tu penses de ça en tant qu'Aegis. Et en plus, ça se baisse, on voit bien son cul, c'est bien. Trois petits points et elle a fait l'exhibition. Mitra, redresse-toi. Désolée de vous décevoir, mais ce n'est pas l'œuvre de Malos. Qu'est-ce que vous fait dire ça? Si Malos était passé par là, le sol aurait été vitrifié. Mais là, seule l'herbe a été carbonisée. C'est une excellente déduction, je suis heureux de vous avoir à mes côtés. Je vous présente mes excuses pour cette perte de temps. Allons, Aegon. Nous n'aurions jamais pu savoir de quoi il retournait sans avoir mené l'enquête. De plus, chaque piste que nous écartons nous rapproche un peu plus de celle qui nous mènera à Malos. Là-bas, regardez! Ah bonjour. C'est un gros spécimen. En effet, nous devons le maîtriser. Il faut l'arrêter avant qu'il s'en prenne à la crique, ou pire, à une colonie. Tout le monde en position. Bonjour. Non mais pas attaque feu, hein. Sois poli, c'était pas joli, hein. Plus c'était pas joli. Voilà, ça c'est fait. On a déjà foutu son attaque dans la tronche. Purée, c'est quoi cette victime? Je peux même pas placer tous mes combos. Mais c'est vraiment une victime ce mob. Un monstre cracheur de feu. Heureusement qu'Adam était avec nous. Au risque de paraître présomptueux, j'ai déjà connu pire. Je crois qu'on peut dire sans se tromper qu'il est à l'origine des traces de carbonisation. Ça sent le roussi cette histoire. Je n'aurais jamais cru qu'un tel monstre pouvait se trouver si près de Torrigoth. Il a peut-être été chassé de son territoire par un congénère. Ce sont des choses qui arrivent. Ouais, ou alors c'est comme dans ton histoire, ce sont des humains qui ont détruit son habitat. Nous les considérons comme des monstres, mais pour eux, ce sont nous les monstres. Je les crains en effet. Indeed. Le retour viendra sans doute où même les titans seront en danger à cause des humains. Peut-être que ce jour est déjà plus proche que nous pensions. Du coup, je vais où?
Albert, je vais où? Ah non, pas une doll. Pas une doll. Ah non, pas une doll. Oh non, pas lui! Pas le mec avec le sourire de psychopathe! Au secours, venez me sauver, faites quelque chose. Oh non, pas lui, je l'aime pas lui. Que quelqu'un vienne me sauver. Interesting thing you've got there. Malice enough. It's all right. Indol's most sacred treasure, the Aegis. It is said to be the embodiment of the Architect's light. The divine revelations our founder Maldonari received. Really? Then. That's what I will be called too. After all, I am born of divinity, not just some reflection. You believe yourself so strong? Don't you? Your situation doesn't look good. Baltric is not going to let it go. And you can't hide behind the Praetor forever. That has nothing to do with you. If that were true, you wouldn't be here. Это же муж. Et c'est reparti. Here. What is this place? It's a very tasty secret. Formerly known only to the Praetor and me. The essence of our Judician forebears, originally salvaged from the bottom of the Cloud Sea. Some of it may hail from the fabled land of Morritha. Morritha? Look. This here display is a diagram of what human cells are made of. And then this one here is a blades. C'est quasiment les mêmes. Astonishingly alike. Of course. After all, they are descended from humans too. That in and of itself isn't too shocking. But this... It's the same, isn't it? Just wait. Un cristal cœur? That's a core crystal. Exactly. A blade's core crystal contains information not only pertaining to humans. It also records schematics describing all manner of animal tissues. You're saying blades contain detailed information of all living creatures? Not just that. Have a look at this undeveloped part. That is from a Titan. It suggests that this particular piece may one day develop into a Titan. Isn't it mind-boggling? A message from the architect, no doubt. Bon, tu laisses Sansa tranquille, toi. Oh là là, on parle pas de Sansa ici. This is just what you were after. I wish to investigate this and learn more of what the architect has in store for this world. And il a fait cette connerie Sansa comme ça. Knowledge for our own. Including the Praetor. Perhaps. Isn't this in line with your own goals?
Well then, I may as well help out. Donc, si je récapitule bien, les cellules humaines ressemblent beaucoup à des cellules de l'âme et que certaines séquences de l'ADN sont les mêmes que celles d'un titan. Ça, on le savait déjà. Il me semble que ma mission ici est terminée. Pouvons-nous rejoindre le vaisseau amiral? Cela me convient, nous pourrons y échanger des informations tranquillement. Le vaisseau est actuellement amarré à la crique de la Cham. Très bien, allons-y. Oui, mais Laura veut pas... Laura veut pas partir en voyage. Vous avez établi ce que les ravages étaient causés par un repos de disparu. Bon, j'ai craqué. T'as acheté quoi, Tekken? Yep, c'est quoi? Bon. On peut trouver cette polynôme, ok. Ah, nickel! Je vais pouvoir aller redonner la quête. Est-ce que j'ai un point de TP dans le coin? Oh, ça va pas bien. Il y a plein de quêtes là. On va les récupérer là. Hop. Ah bah il pleut. Bretagne Simulator. Non. Non, non, en Bretagne, il pleut pas tout le temps. Mais respect les Bretons, je vous aime bien. Hey, je crois que j'ai pas le niveau pour aller me promener là-haut. You're coming with me, treasure. You're coming with me, treasure. Aren't we intrepid? Non, non, mais je reste. C'est... D'habitude, je sors pas une phrase comme ça et. Non, on pourrait dire Angleterre Simulator, parce qu'il peut pas aussi là-bas. Hein. Ça, j'ai jamais su pourquoi. Poum poum. Oh, pas bien ça, pas bien du tout. Ami Pond veut bien écouter, problème de Pumpun. Pumpun a gros soucis, gros comme méchant crabomard géant. Vilain monstre a lâchement attaqué Pumpun pendant sieste tranquille. Peut pas rester comme ça, Pumpun veut revanche sur monstre pas beau. Mais Pumpun est pacifiste et veut pas coller tatouille à monstre. Pumpun préfère faire sieste, oh oui. Mais monstre doit comprendre qu'embêter nos ponts sans défense est très mal. Ami Pond, Pumpun demande justice. Camille Pond, pas pacifiste, oui. Peuvent aller faire passer ça le quart d'heure à monstre. Oui, mais j'ai peur du niveau du monstre en fait. Monstre plus si fier quand Ami Pond expliqueront avec point que faut pas embêter Pumpun. Pumpun va dire Ami Pond, nom de méchant monstre. Ça s'appelle Crabeau Marmire. Pumpun veut pas que monstre pas sympa se croit tout permis. Et monstre a plein de petits copains pondes dans marécage autour du camp. Si Ami Pond met à tout, il y a trois monstres, Pumpun aura vengeance. Pumpun reste ici en attendant que justice tombe sur coin de bec de monstre. Ouais, mais j'ai peur du niveau des monstres. I would be no leader if I turned down an opportunity like this. This is becoming addictive. I'm something of an expert. Ah non, non, non. Je veux bien dire que je suis suicidaire des fois, mais pas à ce point-là non plus. Oh là là, mon dieu, il y en a partout. Bien être suicidaire et pas à ce point là non plus.
Ah oui, je vais regarder sa quête. La roli poli oli. Alors, mémé, ami pont dans l'expression qui dit « Oh grand roli poli, nous avons chuté 5,5. » Comment roli poli sans vérifier? Parce que roli poli poli est heureux et pro. Peut-être sentir ces choses. Ceci dit, roli poli a deviné juste oui. Mipon ne sont pas gros empotés, c'est très bien ça. Voilà qui est conclu le test, mais qui aura autre test dans le futur proche? Et difficulté sera bien plus difficile. Ouais, si tu veux, fais-toi plaisir. D'ailleurs, l'âme de Roli Poli Poli a recherché que pilote qualifié Gormoth. Ses amis Pons n'ont pas encore rencontré l'âme, devraient aller la trouver et lui montrer de quoi sont capables. Eh bien, Mipon, Roli Poli va attendre jusqu'à la prochaine fois qu'on aura test à proposer à Mipon. A bientôt, Pombe. Pombe. Étant. Non, Pond, c'est pas étant. Voilà, c'est cool. Attends, je peux aller là-bas? Non. Je crois que j'ai un truc à faire pour... Mais est-ce que je peux y aller vraiment? With all my might. Laser focus. Ah bah non, toujours pas. Ha ha! Bah, pas moi. On arrive au terme des quasiment 30 minutes. Est-ce que vous voulez que je lance... que j'aime la PS4 et que je lance le jeu? Je vous laisse réfléchir le temps que je me TP. Vous me dites et je vais me taper. En attendant. Non. Gormoth. Je savais même pas que c'était un grand truc. Vous me dites, hein. Si tu veux voir, je lance. C'est pas un problème. Crac. Crac. Ouais, bah je peux. C'est possible. Je me tapais Gormoth. Comme ça. Bah, je vais jusqu'à le port. Avant le port, en y allant tranquillement et. Ouais, je peux. C'est possible. On va faire ça. Juste que je remette la main sur le jeu. Qui est dans ma pile de jeu. Bonjour, au revoir. Je vais traîner dans une zone de niveau 30, mais je vais pas bien moi dans ma tête des fois. Hein. J'en ai des trucs. Je l'ai pas récupéré lui. Oh mais quel quiche. Fais quoi. Aren't we intrepid? Spoiling for a fight. Ouais. Un peu, oui, là, oui. Et pédale. Pédale. Non, mais il y avait les deux. Hein.
faut que je m'accroche un petit peu. Ça c'est pas mal. J'y vais, je pédale. Ah, il veut se battre. J'ai pas de Pokémon électrique, ça se passe comment la défense? Bon, ah, t'as été éjecté, mais ça tombe pas. J'ai peut-être changé. Mettre As. Ah, bah, il est mort. Nature Bok. Merde alors. Ah, intéressant, botanique. Le turboiseau. Ah. Viens te battre, espèce de... Regardez ce vaisseau gigantesque dans le port. Non mais je voulais taper le turboiseau, moi. Oui, c'est le vaisseau amiral de Morardin. Il est à vous. Pas étonnant qu'il n'y ait pas meilleure démonstration de puissance qu'un vaisseau imposant. Que diriez-vous de tous monter à bord? Ce serait dommage que certains d'entre nous attendent sur le quai. Oh, vous en faites pas pour ça. Je hais les endroits confinés et je ne me digère pas bien la cuisine ardanienne. Je peux demander à nos cuisiniers de vous préparer une spécialité locale, si c'est ce que vous préférez. En fait, t'as pas compris que le roi a pas envie de venir. Cette attention me touche beaucoup, mais ça ne sera pas nécessaire. Allez, As, on y va. Très bien, Dame Laura. Mais non, mais je voulais tuer le turboiseau. Ce n'est pas avec cette attitude qu'elle risque de s'habituer à quoi que ce soit. Mais non, je voulais tuer le turboiseau. Oh. Non, mais c'est Twitch qui merde là. Bon, je fais des ibois YouTube. Bisous YouTube, on se retrouvera, je sais pas quand. Bah, ça va, regarder cette petite vidéo.